écran. Notre drôle de planète est tellement curieuse. Voilà qui est intéressant. Qu'elle nous pose des tonnes de questions. Pourquoi les ours blancs sont blancs? Où naissent les bébés tortues de mer? Pourquoi les abeilles bourdonnent? Pour trouver les réponses, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Les meilleurs enquêteurs de la galaxie sont de retour. Tu me rejoins en labo? J'arrive. J'ai des images incroyables. À vos postes, on est prêts. Synchronisation des bracelets, les extracurieux, c'est parti! Oku envoie les extra-curieux en mission du lundi au vendredi à 13h30 sur France 4. Jeunes gens, je vous souhaite la bienvenue dans notre cher lycée. Hashtag Caro et sa bande. Bonjour à vous les petits soleils. À tous les coups, tu vas liker la nouvelle saison. Hashtag Ça te dit de te connecter avec eux? Et maintenant, musique maestro. Pour l'aventure? T'es sûr que c'est une bonne idée? Alors, à toi la saison 3 de Hashtag Like Me, à découvrir sur l'appli Oku. Moi j'avais vu un film en fait, on voyait des femmes très formées, etc. avec un corps parfait. Moi en fait, genre, je me dis dans ma tête, genre pourquoi je suis pas comme elle? T'es trop grosse, ouais, voilà, genre, et toi t'es trop une planche à pain, donc non. Moi je suis sûre que la moitié des trucs, moi c'est faux. Genre c'est trop parfait pour être vrai, quoi. Ouais. En plus t'es obligée de regarder parce que sinon après tu te sens un peu discriminée par les autres. Ouais, à part genre. Ouais. Quoi qu'ils en disent, les images ont toujours un impact, et dont Léa ne pas subir. Bonjour, je voudrais savoir quels sont les locataires concernés par la trêve hivernale. La trêve hivernale est une mesure de protection sociale et humaniste mise en place suite à l'appel de l'abbé Pierre et votée en 1956. Elle protège les locataires de l'expulsion en cas de loyers impayés. Cette mesure s'applique du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante. Elle a pour but d'éviter que des personnes en difficulté, des familles, des personnes âgées et ou malades se retrouvent sans logement. Les locataires sont protégés de l'expulsion, mais il existe des exceptions. Les exceptions sont les locataires qui bénéficient d'un relogement adapté à leurs besoins et à la composition de leur famille, ceux qui sont logés dans un immeuble touché par un arrêté de mise en sécurité, mais aussi les conjoints, époux, partenaires de PACS ou concubins ayant commis des violences familiales et dont l'expulsion du domicile a été ordonnée par un juge. Les sanctions contre les squatteurs ont été durcies. Ils ne bénéficient plus de cette trêve et sont expulsables. Alors on appelle squatteur une personne entrée illégalement dans un logement, par exemple par effraction ou par menace, pour l'occuper sans l'autorisation du propriétaire, que ce soit une résidence principale ou secondaire. Attention, même si pendant la durée de la trêve, le locataire n'est pas forcé de quitter son logement, le bailleur peut l'assigner et le juge rendre un jugement durant la trêve hivernale qui peut prononcer l'expulsion.